bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Dans la paix de Dieu. Bon matin dans la présence de Dieu. Et nous sommes toujours réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de ce jour, il est dit: je vais vous montrer à qui ressemble celui qui met mes paroles en pratique et qui les écoute. Il a creusé très profond. Il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Alléluia! Quand nous mettons notre vie sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre vie ne s'ébranle pas. Quand vient les problèmes, quand vient la tentation, quand vient la maladie, quand vient les difficultés, notre vie ne s'écroule pas parce qu'elle est fondée sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors le roc dont parle la parole de Dieu ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est sa parole puissante. Alors si tu mets ta foi en la parole de Christ, en la parole de Dieu, ta vie est comme plantée sur un roc. Et elle ne s'ébranle pas. Alléluia! Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus-Christ de Nazareth, le rocher antique, le rocher des âges, l'ancien des jours, celui en qui nous mettons notre foi et notre confiance. Alléluia! Et célèbre avec moi ce matin. Et je te souhaite un merveilleux matin, une merveilleuse matinée dans le nom de Jésus. Sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en... Ah, et si tu veux, tu te lèves, hein, tu danses avec moi. Hey, sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison... Alors quand tu médites la parole de Dieu, il faut que tu t'appropries de cette parole. Alléluia! Que cette parole retentisse dans tes oreilles, que cette parole retentisse dans ton cœur, afin que ce que tu déclares pour toi, que cela se réalise dans ta vie. Alléluia! Alors ce matin, nous allons déclarer: moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra les problèmes, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais tranquille,
ville, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. On déclare, la pluie et le vent souffleront. Même le cancer entrera dans ma vie, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Moi j'ai mis ma foi en ce rocher antique qui est l'ancien des jours, le guerrier des combats. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Moi j'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui est convaincu que sa vie est bâtie sur le roc, que sa vie est bâtie en Jésus-Christ de Nazareth, et personne ne peut enlever quelque chose entre les mains de Jésus-Christ? Alléluia! Alors proclame que tes enfants sont sur le roc, que ton foyer est sur le roc, que ta famille est sur le roc, que tous tes projets, que ta destinée est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce matin, reçois la stabilité de Dieu, reçois la paix que Dieu donne, reçois vraiment tout ce dont tu as besoin, cette paix que Dieu donne. Alléluia, alléluia. Et je te souhaite de passer une merveilleuse journée dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu, mais surtout dans la louange. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.